proposition à faire, ça me va droit au cœur. Parce que ils se sont réunis pour un but, pour la justice, reprendre le pays. Si toi, le président, toi-même, ce que tu dis, tu ne fais pas. Donc, c'est parce que toi, tu as dit que nous, on fait. Donc, on désobéit. Donc, je ne parle ici un peu à eux, mais sûrement que je ne veux pas que le sang des Ivoiriens coule. C'est tout mon problème qui est là. Sinon, la désobéissance civique, là, ici, elle est ça. Parce que toi, tu ne veux pas dire quelque chose que toi, tu ne vas pas respecter. Et puis, nous, tu vas dire, puis, nous, tu suivis. Non, là, de ce côté-là, je suis un peu la désobéissance civile. Ce que le policier dit, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que M. Alassane, il range le pays. Nous, on veut lui. Il n'a qu'à faire son troisième mandat. Il va gagner. Si Dieu le veut, il va gagner. Il va gouverner le pays encore. Il va arranger le pays. C'est la paix qu'on veut. On veut développement. La police doit le laisser. Il va faire son travail. Il va finir son travail. C'est que le projet qu'elle a mis là, il doit finir tout. Puis il va partir. Qui se met à ma place? Tu dis tu veux et après tu dis tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux? Laisse le pouvoir démissionner. Ça va arranger l'Afrique. Ça va faire qu'aujourd'hui en Afrique, tu serais un champion. Les gens vont suivre ton exemple. Ado, pardon, laisse. On souffre. Depuis que tu es là, tu nous as parlé de changement. Mais qu'est-ce qui a changé? Je suis d'accord pour cette désobéissance. Lorsque nous mettons une loi en place, il faut que tout un chacun respecte. Maintenant, si une loi qu'on a mise ensemble, on refuse de respecter, automatiquement, on favorise le non-respect de cette loi qu'on a mise ensemble. Donc vraiment, moi, je suis d'accord pour l'opposition, pour la désobéissance civile, parce que ça fait partie, des droits, voilà, du peuple. Voilà, pour dire qu'on est mécontent, ce qui se passe, on n'est pas d'accord. Et moi, je ne trouve pas ça normal, parce que le peuple a besoin d'être tranquille, sans problème pour eux, quoi. C'est ce que moi, je pense. Désobéissance civile, là, qui paye la nourriture de la population, les pauvres ménagers qui sont à la maison, les pauvres hommes qui se débrouillent pour gagner ne serait-ce 1000 francs, 1500 par jour, qui les donne cet argent? C'est l'opposition ou c'est le président qui les nourrit? Donc moi, je vois que ce n'est pas normal. Nous, notre droit là, c'est d'aller voter. Choisir notre président. Sinon, désobéissance civile, marcher, casser les trucs des citoyens, tout ça, ça sert à quoi? Ce n'est pas trop normal de pouvoir partir faire des réunions pour pouvoir créer des dissolutions en Côte d'Ivoire, surtout pouvoir créer des conflits internes. Ce qui est juste, c'est de partir dans les unes et non ne pas appeler à l'obéissance totale. Ce n'est pas normal, surtout à la désobéissance civile, ce n'est pas vraiment normal. Donc je ne suis pas d'accord.